Non, Meghan Markle ne retournera pas sur le sol britannique de sitôt. La rumeur court que la duchesse de Sussex ne s'envolera pas pour le Royaume-Uni cet été. La raison ? La femme du prince Harry souhaiterait rester auprès du petit Archie. Ainsi, il serait plus facile que le duc de Sussex voyage en solitaire, de son côté, afin d'assurer les responsabilités royales. La pandémie de Covid-19 a également pesé dans la balance, rendant plus compliqués les déplacements. Meghan Markle restera ainsi dans sa demeure de 14 millions de dollars à Monte Quito, en Californie. Une source proche de la royauté a indiqué, Meghan ne veut pas être loin d'Archie. Il serait très difficile de gérer un petit enfant dans leur voyage en raison des restrictions potentiellement en place. La famille royale devra donc se contenter de Zoom pour avoir des nouvelles du petit garçon. Archie adore faire des appels en Zoom avec la famille et la reine a apprécié ces moments durant le confinement, ajoute la même source. De nombreux engagements royaux. Quel est le programme du prince Harry? Si la crise sanitaire s'apaise, le prince Harry retournera au Royaume-Uni en juin prochain. Il pourra ainsi être présent pour le 95e anniversaire de sa grand-mère, Elisabeth II, mais également pour célébrer le 100e anniversaire du prince Philippe. Alors que le 1er juillet 2021 aurait marqué le 60e anniversaire de Lady Diana, le prince Harry sera présent à l'occasion de l'inauguration d'une statue à son effigie, qui sera installée dans le jardin du palais de Kensington.